bakono baliki na ye. Donke la wazo se kamyo. Nous avons eu, nous, cette opportunité de vivre dans des bonnes conditions, alors pourquoi pas le faire aussi pour les autres ou s'engager dans des causes nobles. Je pense que c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment le devoir de tout un chacun ici dans cette salle. Et voilà pourquoi Roubaix est là. Parce que avant tout, nous sommes là pour l'autre. Nous sommes là pour que l'autre puisse aussi avoir ce que nous, on a pu avoir, ou ce qu'on a pu nous offrir ici en Occident. Oh, yeah.
bonsoir à vous toutes et à vous tous. Voilà. Alors, je ne me contenterai pas de vous dire, soyez les bienvenus. C'est au nom de l'association et de la fondation et du projet Open Door que je vous dis merci. Bienvenue n'est pas suffisant. On a envie de vous dire merci. Merci pourquoi ? Merci parce que rien que votre présence, c'est un soutien en soi pour le projet Open Door. Rien que votre présence, mais c'est une participation à cet effort pour la santé d'un certain nombre de gens qui sont démunis, d'une population qui en a besoin. Les soins de base, simplement. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, ce projet, c'est un projet noble. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous y avons adhéré et beaucoup d'entre nous aimerions le soutenir. Et je suis convaincu, nous sommes convaincus que c'est votre cas également. Mon nom est Jean-Luc Hansen, je suis, dans un premier temps, je suis chirurgien cardiaque à Bruxelles depuis 25 ans. Donc voilà, on s'est dit que c'était un projet qui nous tenait à cœur, en tout cas qui me tenait à cœur, que d'aider ce pays qui en a besoin dans cette matière-là. La situation des maladies cardiovasculaires en Afrique subsaharienne et en particulier au Congo est catastrophique, mais pas du tout désespérée. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a statué il y a quelque temps que la mortalité cardiovasculaire globale dans le monde représentait 20% de la mortalité totale dans le monde, ce qui est énorme. Au sein de cette même catégorie de mortalité due aux maladies cardiovasculaires, 80%, la majorité, sont dues aux accidents vasculaires cérébraux, on en parlait tout à l'heure, et aux maladies coronariennes, donc infarctus, mort subite et tout ça. Dernière chose que l'OMS a prédit, selon ses calculs statistiques, c'est qu'en 2020, les maladies cardiovasculaires, en tout cas les maladies non contagieuses, dont font partie les maladies cardiovasculaires dans la majorité, seront supérieurs en incidence de morbidité et de mortalité, donc de complications et de mortalité, par rapport aux maladies contagieuses et infectieuses, malaria et sida compris, en Afrique. Donc c'est une catastrophe qui est annoncée, qu'on connaît depuis 10 ans, 15 ans, et qui va ne faire qu'empirer. Comme endroit de consultation pour Open Door, vrai ou faux.
C'est tout à fait vrai, parce que nous estimons que le savoir-faire ne peut pas s'oublier juste pendant ces vacances. Et il y a beaucoup de personnes qui sont demandeurs, mais la difficulté d'avoir un lieu sur place pose toujours problème. Et donc, je pense qu'une fois qu'on est averti bientôt, pourquoi pas avoir ce... En tout cas, on est demandeur. Très bien, magnifique. Soirée Upendo na Molenbeek. Bon, biso groupe na biso, il y a des groupes comme on a groupe Furaya. Furaya, ils ont des explications Bélé, Bolingo, Bondeko, Sengo et tout. Il y a des groupes Moko et Kreyame à Wana Bruxelles. Mais, Bano, Bomoni, Bauti Kobina, Baptiste, Bas na Bangé, Bauti Nango depuis Kisasa. À Wandeto, Sangani, pour tout créer groupe Furaya pour. Toujours, tous à la toujours, on a retenir culture, on a biso, tradition, on a biso. Monique Baba, jeune fille, bango bali pena pensionné à Makambo ya culture. Pour ceux qui bango batiki, tala de l'on a porté bilingue mingi abasi, soit babi na tradition, à rolinga rolinga te, mais bango, bako meka ko sala ko transmettre ba message traditionnel pour ba bilingue mususu bazali, awa, bazwa posa na yango, pour ba ya ba sangana, tous sangana. Tous là toujours na cuisine na bichez aliboso. Ya mon bosa ma passa. Oui, toi ma passa. Oh, bana papa moko maman moko. Oui, makila moko mutchopo moko pinda. Ngaza danseur, chanteur, percussionniste. Ah OK, d'accord. Et bon de. Ah, ngai kombo na artiste. Voilà, il comment. Ya ngosko ba danse ko bino bina ka seko, eza ya munoko moko ya mboka ya Congo. To isa culture ngo do ya Congo mobimba obie bozui ka ya mboka o ya bino bo uta pona ka bakombo ba ikomo ba ingata ba nani donc isa ndenge nini papa en fait groupe bozo o bomoni furaya ezali groupe moko ndenge na lobby to yemba ka banzembo ba bengi na lingala ya kota nyoso ba ya bactine na biso parce que so to zwen ba nyoso pa mutu nyoso za na kati ya salu be mutu nyoso ali surtout ba congolais ba se retrouver. Parce que ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je séquence dire que je veux 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 dire que
Pour tous qui nous suivent de partout dans le monde, la culture africaine est bel et bien la vive. Avec Jean-Luc. Il était en train de préparer pour un pontage. Donc, quand on fait un pontage, en gros, quand on n'a rien, lui il disséquait le haut et le jeune médecin, lui, il est toujours vers le bas en train de me dire vas-y, prélève-moi une veine. Je ne savais même pas par où commencer. Donc, je connaissais la théorie, mais il fallait le faire. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous voyez un peu la salope, donc le chirurgien cardiaque, il est debout avec ses loupes en train de disséquer la poitrine. Et l'assistant est au niveau du pied, et le pied est toujours vers le bas. Comme vous voyez, ma taille, j'ai au moins 1m89, donc j'ai passé quasiment 2 heures en train de vouloir prélever une veine. Et j'ai aussi des problèmes de dos, je crois que c'est un peu lié à ça. Et je n'osais même pas demander au chirurgien est-ce qu'il y a moyen de relever les jambes ou de relever la table, parce que voilà, le but c'était de prélever la veine. De façon de dire, c'est que pratiquement. 17 ans plus tard, on se retrouve et je passe après Jean-Luc qui a déjà commencé ses missions en Afrique. Et moi, j'interviens aujourd'hui pour témoigner un peu de l'expérience du Congo. C'est-à-dire que je suis reparti au Congo en 2015, après 23 ans, donc après mes études, parce que j'étais interpellé par des patients ici en Belgique. C'était des patients, des personnes connues, je tairai le nom. Mais vous les connaissez parce que vous les voyez dans les médias congolais, qui sont venus me voir à une consultation à Bruxelles parce qu'ils souffraient d'un mal très mystérieux qui se faisait appeler Basso. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je me disais, voilà, quel mal mystérieux. Mais quand j'ai vu le patient et la médecine, c'est pour ça que pour nous, en tant que médecins, un patient européen, africain, asiatique est le même parce que la démarche diagnostique est toujours la même. Patient arrive, eu égard à ses croyances religieuses ou autres, on l'examine de la même façon. En fait, ce patient qui disait souffrir d'un mal mystérieux souffrait d'une infection très connue ici en Europe, qui est tout simplement un ulcère de jambe. Et donc, il fallait comprendre son origine. Alors, après avoir écarté toutes les autres causes, il faut savoir que la cause la plus fréquente des ulcères de jambe sont des causes vasculaires. Et parmi les causes vasculaires, c'est la plus fréquente et la cause veineuse. Donc bref, quand on fait ces démarches diagnostiques, on fait comprendre madame et monsieur, vous ne souffrez pas d'une maladie bizarre, mystique, mais tout simplement d'une infection vasculaire, parce que, pour résumer, parce que voilà, ça aurait été beaucoup plus facile de vous montrer les images, mais je pense que tout le monde a déjà vu une plaie chronique au niveau d'un membre inférieur qui sointe, pas très beau, les non-initiés sont un peu dégoûtés, rassurez-vous, même nous les médecins, on n'aime pas voir ce type de plaie, c'est souvent les infirmières qui s'en occupent, parce que voilà, on n'aime pas voir ce genre de plaie, vous faites la cause, etc. Et donc, j'ai expliqué au malade qu'il fallait que ça pouvait se traiter. Quand je l'ai traité, il m'a dit, mais docteur, est-ce que vous savez que si vous venez à qui, on va vous prendre pour un guérisseur, quelqu'un de mystère, je ne sais pas pourquoi, parce que cette maladie, on l'achète même dans les marchés. Et on peut vous lancer ce sort. Bref, ça m'a interpellé. Et lors d'un congrès en novembre 2015,
grâce à mon neveu Yévin Tanekula et Didier Djekengo, ils m'ont dit, mais Benjamin, donc tu viens, il y a le congrès et rentre au Congo. J'ai dit, moi je veux rentrer au Congo pour une mission bien précise. Et c'est pour cela que je ne voulais pas repartir au Congo juste comme missionnaire, comme Jean-Luc l'a vu, mais plutôt comme un acteur privé du développement de la santé.